Salut tout le monde, c'est Fanny Fête 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 53 de Boruto, et c'est un épisode que j'ai à peu près apprécié, même s'il ne se passe pas vraiment grand chose. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on est enfin vraiment, cette fois sûr, dans l'arc Boruto Z-Movie, puisqu'on se retrouve vraiment avec des éléments tout simplement de Boruto Z-Movie, et même des éléments qui ont été repris, entre guillemets, pas vraiment tels quels, un petit peu retravaillés, mais c'est grosso modo ça. On se retrouve donc en fait sur un épisode où on voit un petit peu le boulot de Naruto. Naruto qui est toujours très très occupé par son boulot de Hokage. C'est vraiment très mis en avant au point même de rater des événements familiales, etc. Mais ça, on était déjà au courant, hein. Et donc c'est vraiment ce qui met en colère Boruto. Et c'est vraiment donc très axé, encore une fois, sur la relation, ou plutôt sur la non-relation, la relation négative entre Boruto et Naruto. Tout ça pour introduire le fait que finalement, à la fin de l'arc, Boruto va bien sûr comprendre pourquoi son père est aussi occupé, mais pour l'instant il ne le comprend pas vraiment, il fait encore un peu l'enfant gâté, parce que son père n'est pas là pour lui, alors qu'il y a d'autres de ses amis pour lesquels leurs parents sont présents. Voilà, tout simplement. Et donc on se retrouve encore avec des éléments du film, comme par exemple la petite réunion au resto où ils bouffent des hamburgers là, avec Shikadai, Imogen et Boruto, ils s'occupent à jouer aux jeux vidéo tout simplement, et où Boruto utilise une partie cheatée. Exactement cette fois, une scène qui était présente dans le film Boruto Z-Movie. Là, Boruto va dire, il va critiquer son père en disant « Ouais, il est jamais là, il s'occupe pas de nous, c'est un mauvais père, il est pas là pour ma mère et tout ça. » Et il va donc un peu après se faire remonter les bretelles par les membres de son équipe et surtout par Sarada. Parce qu'il faut comprendre que Sarada, elle, elle ne connaît pas vraiment son père. En fait, elle le connaît, elle sait que c'est Sasuke, etc. Elle l'a vu quelques fois, mais elle le voit quasiment jamais parce qu'il est toujours en mission secrète. Il est toujours parti à l'étranger, toujours hors du village. Et donc, elle remonte un peu les bretelles à Boruto en lui disant « Toi, au moins, tu vois quand même ton père de temps en temps. Moi, je le vois quasiment jamais. » En tout cas, c'est un petit peu grosso modo comme ça qu'elle lui remonte les bretelles et qu'elle lui fait comprendre qu'il faut qu'il arrête d'être un enfant gâté. Également, donc, tout simplement, cet épisode est aussi très axé, encore une fois, sur le scientifique, entre guillemets, l'espèce de père adoptif, hein, on va dire vite fait, que Boruto apprécie énormément. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va tricher à l'examen Chunin, hein, parce qu'il va se laisser un peu embobiner par le scientifique. Et donc, ce scientifique va présenter en fait son arme ninja là, qui permet de lancer tous les ninjutsu sans devoir utiliser son propre chakra, etc. Une espèce d'arme qui utilise des ninjutsu chargés, quoi. On va dire une espèce de flingue à un ninjutsu où tu peux tirer des attaques de Raiton, de Futon, etc. Simplement avec cette arme, même en étant on va dire un ninja mineur, c'est-à-dire que tu sais pas faire grand-chose, et ben, tu peux quand même utiliser quasiment toutes les techniques différentes qui utilisent donc différents types de chakras, de la foutre, de la terre, donc du doton quoi, de l'eau, etc. Et tu pourras donc utiliser vraiment une bonne pléthore de techniques alors que à la base tu es par exemple nul à chier. Voilà. Et donc cette arme ninja est montrée à Naruto, etc. Mais Naruto n'a pas l'air très emballé, on va dire entre guillemets, par cette technologie ninja. Et voilà, donc c'est très axé là-dedans, hein, donc ce qui va faire tout simplement que Boruto va tricher à l'examen de Chunin en utilisant ce gadget, alors que Naruto ne veut pas que ce gadget, entre guillemets, soit utilisé pour l'examen de Chunin, puisque l'examen de Chunin, c'est fait pour juger tes propres compétences. Et si tu utilises des artefacts, des gadgets, des objets, on va dire, secrets, interdits, c'est comme si tu faisais des armes, c'est un peu comme si tu participais au tournoi Budokai Tenkaichi dans Dragon Ball. Et les armes sont interdites, et donc c'est comme si d'un coup tu sortais un bazooka pour flinguer ton adversaire, et ben c'est interdit. Et ben là, c'est à peu près le même principe. Et pourtant, Naruto va se faire embobiner là-dedans. Mais en tout cas, ce qui je suis vraiment content, c'est qu'on est enfin vraiment 100% dans l'arc Boruto Z-Movie. C'était pas trop tôt. Mais d'après en plus ce qu'on voit de la construction de l'épisode, je crois que grosso modo, cet épisode dans Boruto Z-Movie était censé se passer en dizaines de minutes. Donc ça s'est pas mal rallongé. Donc je pense que l'arc en lui-même fera au minimum 10 épisodes. Donc à partir de maintenant, encore 9 épisodes après, quoi, pour finir cet arc. Donc peut-être 3-4 épisodes de combat contre Momochkin et Kinjinkin. Donc un beau combat, ça promet d'être plutôt très cool. Et donc on a eu également la petite intro avec les Zetsu blancs qui font également partie, entre guillemets, vraiment de l'arc, hein, puisque c'était vraiment une grosse introduction à Momochkin et Kinjinkin de savoir qu'en fait pourquoi il y a des Zetsu blancs qui sont de retour. Et bien c'est tout simplement à cause de Kaguya, tout simplement, hein, qui avait laissé des sbires sur Terre.
Et donc, ses enfants vont s'en servir, le clan Otsutsuki va se servir des Zetsu blancs. Et peut-être donc on verra encore une petite entre guillemets armée éventuellement de Zetsu blancs qui va attaquer Konoha. Pourquoi pas? Et ça pourrait être badass, et ça pourrait remettre d'autres personnages en avant qu'on n'a pas spécialement vu dans l'arc. Par exemple, pendant que Naruto et compagnie combattent Momoshiken et Jinchikin avec Boruto, etc. Pourquoi pas? Est-ce que les personnages qui n'étaient pas censés, qui n'étaient pas présents dans le film, comme comme Denki, comme Sumire, etc., ne seraient pas occupés à combattre des Zetsu blancs dans le village pour le protéger avec les adultes, avec Shoji, etc. Et ça pourrait être très cool et ça pourrait remettre un peu de challenge et mettre des personnages qu'on n'avait pas spécialement vus dans le film et dans le début du manga tout simplement, de les mettre en avant tout simplement. Et de voir en fait qu'en fait à ce moment-là bah, ils faisaient tout simplement autre chose. C'est pour ça qu'on ne les voyait pas dans le film interagir, combattre contre Momoshiken et Kinchinkin par exemple. Allez, donc on va s'en arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à faire péter les pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la vidéo et également sur l'épisode si vous l'avez déjà vu. Moi je viens de le voir en direct. Il passait tout simplement en direct live, hein, donc je l'ai vu quasiment au moment de la sortie japonaise. Allez, bye bye tout le monde, à la prochaine, salut salut!